Et bonjour au couloir du documentaire, mes chers abonnés. Déjà, bonne année 2023. Désolé pour la voix un peu robot, je suis dehors. J'ai mis le micro tellement protégé pour éviter justement les buzz avec le vent, que du coup, ça fait comme si j'étais en version robot. Donc, j'écouterai ça plus tard, vu que c'est fait. Avec le téléphone, et oui, j'ai pas pris la caméra parce qu'il fait tellement froid que j'ai eu peur pour les batteries. On est bien sur Béziers, voilà. Donc, voilà. Notre chère et belle cathédrale avec à côté l'ancienne maison d'arrêt qui va devenir un hôtel de luxe, apparemment. Que vous dire? Déjà, normalement, il y a la vidéo de Jean Pomared qui devrait sortir en partenariat avec les archives de Béziers, mais bon, jusqu'à l'heure de ce jour, ben, les archives ne m'ont fourni aucun document. C'est aussi pour ça que j'ai pris du retard pour vous faire le documentaire qui débutera normalement si tout va bien, si le froid se calme et tout ce qui va avec les températures, quelques chutes de neige qu'on a eues ici. Si tout va bien, débutera dimanche ainsi que celui de la chapelle. Que je vous ai partagé les génériques. J'ai eu deux interviews. Bon, l'interview de Noël, de l'Arche de Noé à Animania, elle se fera qu'au printemps, quand il fera beaucoup plus chaud. Pas par rapport aux animaux, mais voilà, par rapport au lieu où je vais vous amener, où on va discuter avec Noël. On va vous partager. Tout ce qui est animalier, protection animalière, et etc. Je suis en retard vraiment sur Thomas, sur l'interview de Thomas, qui est un technicien et maintenant ça savait de chez Pasteur Sono et Musique à Béziers. Quelqu'un de passionné par la musique et ainsi que par son travail. Voilà, qui est de très bons conseils, qui est génial, qui est génial, toujours marrant, toujours, voilà, quelqu'un de tout le temps de bonne humeur, voilà, que je vous conseille d'aller découvrir à l'entreprise de Pasteur Sono et Musique à Béziers. Donc j'ai pris du retard là-dessus. Vendredi soir, normalement, il n'y a pas de changement, donc. Je vais voir Sébastien et sa compagne, qui sont deux personnes qui font un vernissage là vendredi soir, que je vais découvrir en même temps que vous, du moins. Moi, je vais les découvrir un peu avant, parce que je serai le jour même, et vous les découvrirez grâce à la chaîne. Pour les excuses comme quoi j'avais pris du retard, ben c'est bête à dire, mais ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur le nouveau compte et la nouvelle chaîne, ben vous avez compris que j'avais pris du retard. Donc, voilà, on va éviter de filmer les gens, voilà. Parce que j'ai pas envie. Leur demander cathédrale. Donc voilà. Pour ceux aussi qui suivent mon Instagram, là où je fais les photos le trois quarts du temps, ben c'est là, sur ce vieux pont, qui est le vieux pont de Béziers, où d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez par rapport à l'architecture. Désolé vraiment pour le vent, parce qu'il y a énormément de vent, il fait vraiment pas chaud. Donc, je sais même plus comment couvrir le micro. Je vous le dis. Malgré que j'ai un micro sans fil, c'est un peu complexe. Voilà. J'essaye tant bien que mal de le couvrir. Là-bas au bout, je ne sais pas si on va pouvoir arriver à les voir.
Et vous avez mes copines, les aigrettes. Donc voilà. Donc vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Voilà, j'ai créé un compte TikTok. D'ailleurs, je pense que cette vidéo, si elle dure pas trop longue, elle se retrouvera aussi sur TikTok. Donc, voilà, voilou les amis. Donc, je croise les doigts pour certains qui ont eu des galères en 2022, ben, tout s'arrange pour 2023. Hein. Le retard est dû que je n'ai plus personne en équipe. Je reste tout seul à partir de maintenant. Trop déçu par les gens. Voilà, j'ai pas trop envie non plus d'en discuter. Voilà. Donc du coup, ben, c'est plus long. Surtout pareil quand il y a des partenariats comme là, des archives, ben, faut comprendre que c'est long. Voilà, tout simplement. Ça veut pas dire que des fois vous ayez le de ce que l'intro de la partie vidéo que je vais vous faire. Ça veut pas dire que la vidéo sortira le week-end ou le week-end après. Voilà, il faut le temps de faire les recherches. C'est simplement pour vous donner un aperçu des prochaines vidéos qu'il y aura. Prochaine vidéo, eh ben, c'est pas compliqué. En documentaire, ben, il y a l'arche de Noël. En interview et découverte, vous avez Thomas. Et vendredi soir, je vais à la découverte et en interview de ce couple artiste. Donc voilà. Mais sur ce, on arrive bientôt au week-end, hein, vu qu'on est déjà mercredi. Bon, il reste quand même quelques jours. Hein. Ben, je vous embrasse à tous et on se dit à plus tard. Allez, bisous les loulous. Ciao, ciao.